On a rendez-vous avec deux grandes équipes du foot français aujourd'hui. Ah, le PSG contre l'OL, c'est un peu le grand club des années 2000 contre le grand club des années 2010. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Allez, touche pour l'Olympique Lyonnais. Le PSG, qui est l'équipe la plus à l'aise en déplacement cette saison. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de cette équipe cette saison. Nabil Fekir. Il s'enfonce. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Ouais, il récupère le ballon dans sa surface. Nabil Fekir. Mbappé. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Depay. Maxwell Cornet. Fekir. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Depay. Edinson Cavani. Mbappé. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Anthony Lopez. Oh, la boulette du gardien! Le gardien est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser. C'est le gardien qui a le ballon. Oui, alors facile, hein. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Depay. Nabil Fekir. Et il perd finalement son face-à-face. C'est bien joué de la part du gardien. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Il y a un record qui n'est pas pris d'être battu dans cette UEFA Champions League. C'est celui de l'affluence dans une finale. Ça date de quand déjà, ça? Alors, c'était à Glasgow, la finale Real Madrid-Eintracht Francfort. 120. Il a débordé la défense. Oh, quel manque de lucidité! Mais quel manque de lucidité! Il était face au gardien! Il y a trop de nonchalance dans cette tentative. L'OL a récupéré le ballon à nouveau. Il s'infiltre. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. On approche de la pause. Le PSG est toujours bloqué sur ce 0-0. Marquinhos. Mbappé. Nabil Fekir, Depay. Fekir. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les contrôles. C'est pas toujours évident sous la pluie. Ah ouais, super, mais il file au but. Maxwell Cornet.
Et il échoue sur le gardien. Une belle situation de contre. L'OL va bénéficier de la touche. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Le PSG qui a longtemps couru après cette finale du UEFA Ligue des Champions. Ouais, mais aujourd'hui, ils y sont et prêts à la remporter. Ils font tourner. Fekir. Oh là, un petit peu ambitieuse, là, peut-être la volée. Ouais, alors, tu vois, là, tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Les Lyonnais qui essaient de porter le danger. Ah non, le ballon est perdu. Bien repoussé par la défense. Ça a été touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Un Di Maria. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Oui, elle a intercepté cette passe de Cavani. Oh là là, le gardien qui part balle au pied. Vous, ça me paraît assez risqué tout ça. De prendre l'avantage. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Nabil Fekir. Le gardien qui répond au présent sur cette action. La mi-temps dans cette finale. Rien n'est. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. André Di Maria. Mbappé. Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, cette facilité. Oui, mais bon, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur. Dans cette grande mode mondiale, le faux pied. Il est capable de faire des dribbles incroyables. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Il prend sa chance. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Pressé, attention à ce qu'il va faire. Oh, le gardien qui s'enflamme. Il a décidé de jouer dans le champ, mais il est complètement fou. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Allez, il est passé. La frappe. Ballon capté par le gardien. Ça sort en touche. Edinson Cavani. Neymar. André Di Maria. Et le tir d'Edinson Cavani. Haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Thomas Meunier. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon avec un bon pressing. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Thomas Meunier. Di Maria. Cavani. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. De paille. Nabil Fekir. Allez, l'occasion de passer devant. Et il échoue sur le gardien. Une belle situation de contre. Le lancer sera en faveur des Lyonnais.
Depay. Le tir. Et le gardien qui remporte son duel. Fekir. Pas de souci pour le gardien. Les Lyonnais obtiennent un corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, la frappe. Bernat. Marco Verratti. Il est un petit peu pressé là, Marco Verratti. Il doit s'en sortir tout seul. Attention à la frappe. Manel Kimpembe. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Cavani. Edinson Cavani, dont on apprécie généralement à la fois la polyvalence et l'esprit combatif. Ça, c'est sûr que côté combativité, il n'y a rien à redire. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui fait de très bons appels. Moi, je lui reprocherais toujours une technique un peu défaillante et le fait de rater quand même énormément d'occasions de but. Il cherche un coéquipier dans la surface. Thiago Silva qui dégage. Mbappé. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Et le contre n'ira pas plus loin. L'adversaire récupère. Oh, il va filer au but. Nabil Fekir. Oh, la parade incroyable du gardien sur cette tentative. Quasi à bout portant. L'arrêt est splendide, mais il est surtout hyper important car un but était synonyme de défaite, vu le peu de temps qui reste à jouer. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite. Oh, sur cette interception, il vient de casser une occasion terrible. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. 5 minutes à jouer, toujours rien de marqué. On va peut-être assister à une contre-attaque. Marquinhos. Marco Verratti. Cavani. Ah, il fait du bien, cette interception. Ouais, parce que derrière, il y avait du monde et ça aurait pu faire très mal. Nabil Fekir. Il prend la frappe. Et les Lyonnais qui vont monter sur ce corner très important. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Sans aucun problème pour le gardien de but. Mbappé. Cavani. Là, ce sera un bon moment pour prendre l'avantage côté parisien. Neymar. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Depay. Nabil Fekir. Ah, la bonne qualité de ses passes. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, le but! Oh, l'ouverture du score dans cette finale de Champions League! Ah, elle a été longue à venir, mais ça y est, ils le tiennent peut-être, le trophée. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé, hein, il reste plus beaucoup de temps, c'est sûr qu'il...